Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre message du jour avec l'apôtre Joshua Selman. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à lire le livre de Luc au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Luc chapitre 1, verset 1 au verset 4 dit « Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivante. Très honorable Théophile, ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. » Alléluia. Ce verset nous apprend en fait ici qu'il est important de découvrir ou de recevoir la compréhension profonde, la révélation, d'accord, qui ressort de chaque enseignement que vous entendez. Et non que vous aimez l'enseignement simplement parce que vous aimez la tête de l'homme de Dieu qui prêche l'enseignement, mais plutôt que vous en avez saisi une leçon, vous en avez saisi quelque chose pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Parce que c'est cette vérité, cette réalité ou révélation que vous recevez de ce message qui va impacter votre vie, qui va vous aider à mieux vous nourrir et qui va vous aider à mieux grandir. Et parce qu'il y a des gens qui écoutent des messages, des enseignements qui sont bien inspirés, qui ont bien apprécié tout cela, mais cela ne suffit pas pour transformer votre vie. Il faut que vous en ayez une compréhension, une révélation directement vous-même pendant que vous l'écoutez. Et cette révélation ne viendra que par les témoignages que vous recevrez de ce message alors que ce message est prêché. Souvenez-vous de cette femme au puits avec Jésus-Christ après qu'elle ait rencontré Jésus-Christ. Elle s'en est allée dans la ville pour informer tout le monde, pour inviter les gens à venir voir Jésus-Christ. Alors, et qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont couru pour aller rencontrer Jésus-Christ. Mais après, voici ce qui s'est passé. Alors, ces gens ont confirmé que oui, ils ont vraiment cru à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Mais pas parce que elle les a invités, mais parce qu'ils en ont été témoins eux-mêmes. Parce qu'ils en ont été impactés eux-mêmes directement. Et donc, c'était là leur témoignage parce qu'ils ont pu recevoir une révélation, une vérité que non seulement ils ont cru à cela, mais cette révélation les a impactés. Donc, de la même façon que vous préparez un repas copieusement et que vous vous assurez que tous les ingrédients sont mis en bonne quantité, sont bien mélangés et tout cela. C'est ainsi également quand vous recevez un enseignement, quand vous recevez la parole de Dieu. C'est seulement à cette condition que l'enseignement ou la parole que vous avez reçue pourra impacter votre vie et produire des résultats. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le titre de notre message du jour est « L'esprit de la sagesse ». Je répète, « L'esprit de la sagesse ». Nous allons lire de ce part Apocalypse chapitre 5, verset 12, qui dit ceci. « Ils disent d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. » Ce sont là les sept réalités qui nous ont été accordées dès notre rédemption par Christ. Dès que Christ nous a rachetés, Christ nous a conféré ces sept réalités spirituelles. Que sont la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la bénédiction, la puissance, la richesse? Et l'une de ces réalités que le Christ nous a conférées, c'est la sagesse. Et c'est ce dont nous allons parler dans ce message. La définition de la Bible nous a fait comprendre que la sagesse n'est pas simplement un état psychologique ou une transformation psychologique, mais il y a l'implication de la manifestation de l'influence du Saint-Esprit. Nous allons lire Ésaïe 11, verset 12. Commençons par exemple à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Et lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Qu'il vous rappelle que ce sont là en fait les sept manifestations ou les différentes manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Et vous verrez que cela est également répété dans le livre de Corinthiens, où il nous a fait comprendre en fait que c'est le même esprit, d'accord, qui se démultiplie, ou c'est le même esprit, l'unique esprit qui se manifeste en ces différentes composantes ou en ces différentes dimensions. Et c'est là qu'il nous a enseigné, alors que l'Esprit de Dieu nous enseignera la dominion et l'autorité dans le Seigneur. Deuxièmement, il nous parle de l'esprit de la compréhension et de la sagesse. Quatrièmement, il nous parle de l'esprit du conseil et de la force. Et enfin, il nous parle de l'esprit de la reconnaissance et de la crainte en Dieu. Mais ici, nous allons parler de l'esprit de la sagesse. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul était en train de parler, de s'adresser à l'Église. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 17. Alors, le verset dit ceci. Paul faisait une prière à l'Église d'Éphèse. Il disait, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Alors, à travers ce verset, nous voyons clairement que l'esprit de la sagesse est quelque chose qui est donné. C'est quelque chose qui est conféré. Donc, cette sagesse, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez, mais cette sagesse, en fait, elle est donnée. Prenez note de ceci rapidement, c'est très important. Il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu sur la vie ou dans la vie d'un chrétien. Et c'est ce que nous appelons l'Esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie d'un chrétien sous la forme de l'Esprit de la sagesse. Et la sagesse est l'Esprit derrière l'espoir des hommes dans ce royaume de Dieu. Comme nous allons lire Deutéronome 34, verset 9, nous verrons bien que Josué était rempli de l'esprit de la sagesse parce que Moïse lui avait imposé la main et lui a transféré l'esprit de la sagesse. Et à cause de cela, le peuple s'est accroché sérieusement à Josué comme il s'était accroché à Moïse. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne suivait pas et n'écoutait pas Moïse simplement parce qu'il s'appelait Moïse. Mais le peuple d'Israël suivait Moïse parce qu'il y avait cette manifestation inexplicable, il y avait cette manifestation surnaturelle sur la vie de Moïse, cette manifestation de l'esprit de la sagesse dans son leadership. Et c'est cela qui a fait que le peuple a pu rester et suivi Moïse jusqu'au bout. Et donc, Josué a reçu le même esprit. Lisons Psaume 119, du verset 98 au verset 100. « Mon commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. » Ça veut dire qu'il y a une dimension de compréhension et de sagesse qu'un homme peut atteindre. Une dimension de compréhension et de sagesse qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse l'entendement de ce règne terrestre. Et un homme peut atteindre cette dimension. Je vais utiliser beaucoup de versets bibliques pour l'enseignement de ce jour parce que je veux vous démontrer combien l'esprit de la sagesse, l'esprit de Dieu, d'accord, qui se manifeste à travers la sagesse et la compréhension, est en fait le vrai secret derrière l'espoir des hommes dans le royaume de Dieu. Lisons Psaume 104, verset 24. « Non, tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Il faut de la sagesse pour exceller dans la vie. Il faut plus que de la sincérité, ou il faut plus qu'un cœur qui est dédié à Dieu pour exceller dans la vie.
Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui sont vraiment dévoués à leurs œuvres, dévoués dans leur service et qui font tout pour réussir. Mais il faut beaucoup plus que ça pour exceller dans le ministère et dans la vie et dans les affaires. Il faut une dimension extrême, une dimension surnaturelle, une dimension à la dimension de Dieu pour exceller dans la vie. Il y a une sorte de sagesse qui vous élève à une dimension plus élevée, qui vous élève à un rang plus élevé, au-delà de vos pairs, au-delà de vos collègues, dans une même société. Car quand vous avez une sagesse à la dimension divine, eh bien vous produirez des résultats qui étonneront l'entendement humain. Vous produirez des résultats, vous ferez des choses, vous accomplirez des choses qui frapperont tout entendement humain. Parfois que vous voyez des exploits d'un homme, soit dans le ministère, soit dans les affaires, soit en politique, et que ce sont des exploits authentiques, je vous dis, je vous assure que derrière se cache une main divine. Derrière se cache le soutien d'une sagesse divine. Parce que tout résultat extraordinaire, tout résultat surnaturel est le résultat de l'esprit de la sagesse. Cela vous coûtera cher, extrêmement cher, de manquer de l'esprit de la sagesse. Car vous serez exposé et livré à la fragilité de votre intelligence. Vous serez livré et abandonné à la fragilité de vos perceptions. L'esprit de la sagesse, c'est l'une des clés qui nous ont été données en tant que saints de l'Éternel pour nous permettre de manifester pleinement les dons de Dieu et la puissance de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3, à partir du verset 9, « Voici la raison pour laquelle Dieu nous a donné toutes ces bénédictions. » Éphésiens 3, verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Ça veut dire qu'il y a une variété de la manifestation de la sagesse et que Dieu désire que l'Église expérimente. Alors, c'est quoi la sagesse? Premièrement, je vais essayer de vous définir la sagesse selon les définitions du dictionnaire. Ensuite, nous allons évoluer vers les définitions basées sur les écritures bibliques. Le dictionnaire définit la sagesse comme une qualité d'avoir de la connaissance, des expériences et de bons jugements. La qualité est d'avoir eu des expériences, la qualité d'avoir de la connaissance, et la qualité d'avoir un bon jugement. Il définit également la sagesse comme avoir l'habileté d'utiliser vos connaissances et vos expériences pour pouvoir prendre de bonnes décisions, faire de bonnes réflexions et donner de bons jugements. Ce sont donc là les définitions que nous propose le dictionnaire. Alors nous allons maintenant entrer dans les Écritures pour voir ce que c'est que la sagesse. Nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 3, verset 13. Et ici, dans ce verset, la Bible fait comprendre qu'il y a quatre niveaux, quatre sortes de sagesse. La Bible dit, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. » Nous allons continuer notre lecture. Le verset 14 dit, « Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, car ce serait un défi à la vérité. » Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Vous voyez déjà que la Bible souligne qu'il existe un type de sagesse qui ne vient pas de Dieu. Continuons. Elle est de ce monde. Donc vous voyez donc maintenant que la Bible souligne qu'il existe une sorte de sagesse, un type de sagesse qui vient de ce monde. Ensuite, il dit, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Donc, ça veut dire qu'il existe également
un type de sagesse qui vient du sens ou des ressources de réflexion de l'homme. Et ensuite, il y a cette sagesse qui est démoniaque, c'est-à-dire qui vient du diable. Donc, il y a une sagesse qui vient de ce monde. Il y a une sagesse qui vient du sens ou des réflexions de l'homme. Il y a une sagesse qui vient du diable. Continuons dans le verset proche, verset 16. Une telle sagesse ne vient certainement pas. Verset 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Alors, au verset 17, il dit, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Donc, voici la quatrième sorte de sagesse dont la Bible parle. Et la Bible dit que cette sagesse, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Elle vient du ciel. Donc, il existe un premier type de sagesse qui vient de ce monde. Il existe un type de sagesse qui ressort du sens ou des réflexions des hommes. Il existe un type de sagesse qui est démoniaque ou maléfique. Et enfin, la sagesse qui nous intéresse, le quatrième type de sagesse, c'est la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient du ciel. Nous allons essayer un peu de définir les différentes sortes de sagesse. Premièrement, la sagesse qui vient de ce monde, en fait, c'est un peu comme, c'est ce que les gens disent, le sens normal des choses, la réflexion normale, la façon normale de faire les choses. C'est simplement l'habilité à reconnaître le mal et le bien. Ensuite, ça parle de la sagesse sensuelle, c'est-à-dire la sagesse qui ressort de vos réflexions, la sagesse qui ressort de la science, la sagesse qui ressort des réflexions philosophiques, scientifiques, mentales, etc. La sagesse qui ressort à travers vos connaissances, à travers les expériences, etc. Ensuite, la sagesse démoniaque ou maléfique. Eh bien, c'est la sagesse que vous déployez selon votre appartenance à un clan ou à un secte ou à un groupe ou à une fraternité maléfique. Et cette sagesse ou alors ces réflexions ou ces sens que vous déployez, en fait, sont fortement équipés ou remplis ou composés de particules démoniaques, de particules d'esprit maléfique. Vous voyez, à travers et quand ce genre de sagesse se manifeste, eh bien, vous penserez que c'est une sagesse hautement supérieure à la sagesse humaine. Vous penserez que c'est une sagesse surnaturelle. Mais cette sagesse, elle est peut-être plus élevée qu'une sagesse naturelle, qu'une sagesse de l'entendement humain, mais elle est composée de particules démoniaques. Elle est composée de substances toxiques maléfiques. Elle est composée de substances démoniaques contagieuses. Et enfin, la Bible nous apprend que nous avons la manifestation de la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. Alors, une définition divine de la sagesse maintenant. La sagesse est définie comme une application de la connaissance. La sagesse est l'habileté surnaturelle d'utiliser les informations, les préceptes reçus de la parole de Dieu pour prendre des décisions sérieuses et importantes afin d'impacter des vies ou afin de résoudre des problèmes de la vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse est liée à l'avancement. La sagesse est liée à la richesse. La sagesse est liée à l'espoir. La Bible nous fait comprendre qu'un homme peut être bien vivant et avoir toutes ses facultés bien en forme, mais manquer de sagesse. Vous savez que vous pouvez analyser votre vie sérieusement pour voir si vous avez la sagesse de Dieu. Vous pouvez disséquer votre vie, vous asseoir et réfléchir sur votre vie, retracer le parcours de votre vie afin de savoir si vous possédez la sagesse divine ou pas. Alors, si jamais vous vous rendez compte que vous manquez de sagesse, il est très simple. La Bible nous a déjà pourvu une solution pour cela, pour que vous puissiez recevoir la sagesse de là où elle peut se trouver. Mais avant tout, vous devez admettre
que l'homme peut manquer de sagesse. Et donc, vous pouvez manquer de sagesse. Et donc, quand vous en manquez, quand vous en avez pas, eh bien, il faut demander. Ou alors, il faut chercher à en avoir. Car qu'il vous souvienne qu'il est dit dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, » vous voyez donc bien que la Bible souligne que l'on peut manquer de sagesse. Même un homme d'affaires réputé peut manquer de sagesse. Un homme de Dieu réputé, très inspiré et très loin peut manquer de sagesse. Un politicien très avéré peut également manquer de sagesse, parce que la sagesse dont nous parlons n'a absolument rien à voir avec vos connaissances, avec vos diplômes ou avec vos expériences ou vos contacts ou etc. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Donc la sagesse, c'est l'habileté surnaturelle de profiter ou d'utiliser les écrits, les vérités, les préceptes et les inspirations qui sont tirées de la vérité, de la révélation, de la parole de Dieu, pour les utiliser afin de prendre de bonnes décisions, des décisions qu'il faut pour impacter des vies positivement, pour apporter des solutions aux problèmes de la vie. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre message L'esprit de la sagesse. Alors, je vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie pour découvrir comment recevoir la sagesse, comment acquérir la sagesse avec l'apôtre Joshua Selman.